Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de The Last of Us Part 2. On s'était arrêté ici avec Abby. Ah donc, après, voilà, là je me suis reposé, j'ai dormi, tout ça, tu vois. À tête reposée, je me dis, si Abby elle a juste tué Joël parce qu'il a tué des lucioles, c'est un peu con. Voilà. Ah, faut le dire. Le truc c'est je me dis, est-ce que le père de Abby... Parce que peut-être que là, on cherche après son père. Donc, est-ce que le père de Abby, ce ne serait pas le médecin que Joël a tué? Peut-être. Je pars sur ça, j'en sais rien. Non, en vrai, je suis totalement déboussolé, je sais plus trop quoi. Donc, on cherche des trucs, quoi. Bref, on y va. Papa? Let's go, baby. Papa? Where are Hé, you? hey, papa! Arrête un peu avec ça! Est-ce qu'il joue à cache-cache? T'es où? Where is your papa? En vrai, avec Abby, là, admettons, C'est parti. est-ce que je peux... Attends, est-ce que je peux trouver genre les cartes à collectionner? Je pense pas. Je pense que ça va juste être avec... C'est juste avec Ellie, je pense. Attention. Ah bah non. Si. Il y a des notes à trouver déjà. Ok. Bon, à Mais 50%? c'est un temps de retard, quoi. Ouais, attends de retard. Bon, je sais, j'ai en fait, je comprends aussi ce qu'ils sont en train de faire, et c'est pour ça que je vous dis que j'ai très peur. C'est qu'en fait, je pense que dans ma tête, hein, là, pour l'instant, c'est Ellie, elle meurt, et en fait, après, par la suite, on va incarner Abby, parce que Abby, elle est trop mise en avant, on est en train de la jouer, c'est pas logique que ça. Tu vois, vraiment, je pense qu'il va arriver un truc de fou. Déjà, là, vu la situation où elle est Ellie, j'ai un gros doute qu'on s'en sorte, déjà, tu vois, même Tommy. Donc, voilà, je me prépare psychologiquement, je m'invente des films. C'est pas vrai. Et on verra, on verra. Bon, j'espère avoir tort quand même. Mais bon, bref, on verra ce que ça donne. Mais je trouve qu'elle est trop mise en avant pour. Ah merde, j'ai loupé, tiens. Elle est trop mise en avant pour que ce soit rien, tu vois. Enfin, je me comprends. Ça a marché. Ah, pardon, je crois que je devais prendre la Puis c'est quoi poubelle. ça? Ah. 1978. Ouais. Ok. C'est un objet caché, ça, non? C'était juste pour ça, là? Ok. Bon, bah, c'est un objet caché, écoutez. Je suppose, Je hein. peux peut-être monter sur le toit? Ah, directement là, ok. Parti. La classe, Abby. Par contre, du coup, là, elle a sa voix de quand elle est grande. On dirait pas qu'elle est petite là. C'est la même voix que quand elle est grande. Ah bah. Abby. Tu as de la boue un peu partout, chérie. T'en as aussi. Où ça? Juste là. Oh. Tu sais, à chaque fois que tu disparais, c'est moi qui me fais engueuler. Arrête. C'est dur à croire, mais il s'inquiète pour toi. Il n'y a aucun danger ici. Papa. Abby, elle est dans le coin. Je l'ai vue de l'autre côté de ces arbres. Et alors? Elle va bientôt mettre bas. On l'observe juste un petit peu et on rentre. Je te le promets. D'accord, mais on se dépêche. Heureusement, j'ai ma petite fille pour me protéger.
Ouais. On va voir Comment ce qui tu se t'es passe. réveillé ici? Owen a vendu la mèche, c'est ça? Il a fait ce qu'il fallait faire. Et pourtant, j'aurais de rien dire. Comment t'as fait pour qu'il parle? Je lui ai demandé. Ah. Attends, peut-être on va voir carrément. Peut-être ce que je dis, c'est Naps. Et Joël, genre, il va le buter sous ses yeux. Non, attends, oh là là, voilà. J'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie d'en savoir plus. Hé, hey, regarde un peu ça. Oh, waouh. 1978. Je l'ai pas dans ma collection, celle-là. Allez, à toi. Si tu promets de jamais refaire un coup pareil. Alors, marché conclu. Je te crois pas du tout. C'est vraiment mal me connaître. Allez, bien, on s'y remet. Papa. Détends-toi. Tu retrouveras Owen dans pas longtemps. Qu'est-ce que... Non, rien. Tu passes beaucoup de temps avec lui en ce moment. Plus que d'habitude. On travaille ensemble. Abby, c'est rien. J'aime bien Owen. Oh mon Dieu. T'inquiète. Ah non, j'ai souri. Je suis ton père. Je sens ces choses-là. Vous faites tous les efforts du monde pour ne pas vous regarder quand je suis là. Et d'un coup, vous êtes sérieux. C'est très touchant. J'en peux plus. Et il te fait rire. C'est parce qu'il est un peu idiot. Il se montre plus gentil avec moi, désormais. Il est très nerveux quand il doit me surveiller. Et donc, tu profites de la situation? Moi? Jamais. Je suis désolé, j'ai souri, je suis en train de m'attacher à Abby. Bien joué, Naughty Dog! Bande de méchants! Bah, les vilains chiens! Ouais, bon, bref. On va voir ce qui se passe. Allez, trêve de blabla. Et je suis désolé, par contre, si on m'entend respirer dans le micro. Et pourtant, j'ai baissé la sensibilité du micro, mais des fois, quand il y a des scènes cinématiques, je suis comme ça, je suis tellement concentré qu'on entend ma respiration. Bref, je suis désolé pour ça. On continue. Un crabe. Y'a rien dans la belle poule, là. Non, je sais pas. On sait jamais. Allez, on y va. Même ça, c'est bien fait. Juste des petits jeux de gosses. C'est beau! Oh! Abby, regarde. Des traces récentes. Attends un peu. Ce serait pas une manière détournée de m'apprendre le pistage par hasard? Je ferais jamais ça. Et ça marche? Ben, j'ai retrouvé ta trace. Oui, mais tu as triché. Sois prête à tout pour réussir. Waouh! Ça t'arrive donc d'écouter. T'as des éclairs de génie, parfois. Papa, j'ai trouvé quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Elle a déjà mis bas. Oh. Et regarde, deux paires de traces. Papa? C'est elle. On y va. Elle a pas l'air bien. Non, elle souffre. Vive. Allez. J'adore quand la caméra se rapproche et tout. On prend rien ici. Ils peuvent être n'importe où. T'as ton fond avec toi? Évidemment. Alors je me fais pas de soucis. Merde. Abby. Il faut qu'on la libère. Tout va bien, du calme. T'en fais pas. Ça va pas te faire de mal. Tout va bien. Merde. Elle est vraiment coincée. Ok, Abby, viens ici. Tiens. Je vais la tenir. D'accord. Ok. Doucement. Doucement. Doc, vous êtes là? Par ici, Owen. Mais...
S'il te plaît, viens m'aider à la tenir. On a besoin de vous. Ouais. Tiens là. Allez. Attention. Ok, tu la tiens bien. Ouais. Ok, à toi de jouer, Abby. Émerveillement. Putain de merde! Tout le monde vous cherche. Attendez! Papa! Oh. Qu'est-ce qui se passe? Allez! On a fait du bon boulot. Doc, la fille est arrivée. Quelle fille? Celle dont Marlène parle tout le temps. On l'a trouvée dans le tunnel. Elle a une vieille morsure au bras. Aucun signe d'infection. C'est pas possible. Ils sont déjà en train de faire des tests, mais... faut que vous alliez voir. Papa. On y va. Cerveau, on n'a pas d'autre choix. Il doit y avoir un autre moyen. On ne peut pas prélever le spécimen sans détruire l'hôte. L'hôte. C'est une enfant, pas une boîte de pétri. Tu crois que je... J'ai conscience de ce qu'on doit faire. Tu veux parler de la tuer, non? Non, je veux parler de créer un vaccin qui sauvera des millions de vies. Combien de lucioles sont mortes pour moins que ça? Parce que c'était leur choix. Tu demandes mon avis? Ou t'as déjà pris ta décision? Marlène, je veux que tu sois de notre côté. Et si c'était Abby? Écoute, tout ce qu'on a pu faire, tous ces sacrifices, toutes ces atrocités, tout ça serait justifié par cette seule action. Si on parlait de ta fille, qu'est-ce que tu ferais? Abby. Je t'ai apporté à manger. Merci, ma chérie. Écoute, Marlène. Fais-le. Merci. Je vais prévenir Joël. Pourquoi? Il a traversé tout le pays avec elle. Il a le droit de savoir. Bonne chance pour l'opération. Fire. Donc c'est bien son père qui a opéré Ellie. Ok. T'as pris la bonne décision. Ouais. Si c'était moi... J'aurais voulu que tu me perdes. Elle va le voir Joël buter son père. Donc c'est compréhensible. Là tu comprends pourquoi elle le fait et pas juste y a tué des lucioles. Putain, il est encore dans les parages. Abby. Non. Abby, relâche-toi. Thank you.
putain. Pitié, fais pas ça. Pitié, non, fais pas ça. Joël, allez, lève-toi. Attends. Non. Non. Va au diable, Pendero. Arrête de te pisser. Eh oh, qu'est-ce que tu fais? Mani, je fais le ménage. Non, on est là pour lui, c'est tout. C'est trop risqué de le laisser partir. Non, mais tu t'écoutes. Il a raison. Il faut finir ce qu'on a commencé. Si on les tue, on vaudra pas mieux que lui. Ils ont rien fait de mal. Ah ouais? T'as vu ma gueule? Je l'emmerde, ta gueule. T'aurais dû monter la garde là-haut, comme je te l'avais dit. Bouge! Recule! Tu te calmes! Ou quoi? Recule, putain! Calmez-vous! Jordan! Tu vas me buter. Stop! C'est fini. La raison est valable. Là, ok, c'est valable. Même si ça me fait carrément chier, mais c'est valable. C'est valable. Putain de merde, cette Allez. Histoire. Oh. Du calme. Ça va pas, Abby ? Ouais, ça va. Et toi? Je t'ai cherché partout. On a besoin de nous. Isaac nous demande sur le front. Quoi? T'es sérieux, là? J'en ai bien peur. Faut qu'on y aille. Quoi, là, tout de suite? Ouais. Vamonos. Ok. En vrac. Au fait, merci de m'avoir laissé la chambre hier soir. De rien. C'était qui cette fois? La fille qui cuisine? Non, celle de la météo. Elle a quitté sa montagne. Oh, la télé alors. Sympa. Ouais, sauf qu'elle est un peu trop obsédée par son boulot. Elle a pas arrêté de me parler d'une tempête et je sais plus quoi. Et ça valait le coup? Oh, carrément. Je peux mourir heureux maintenant. Tu m'étonnes. Tu pourras pas trouver mieux qu'elle. J'arrête pas de me dire la même chose. Et pourtant, ça m'empêche pas de chercher. Bon. Faut qu'on discute. On est fan incontournable de The Last of Us Part 1. D'où la Part 2, qui est vachement importante. Juste le Part 2, il est vachement important. C'est-à-dire que on incarne des survivants. On n'est pas dans la peau de tous les survivants. Là, le fait que nous, on ait vu Joël mourir, mais on n'en peut plus. Si on avait commencé le premier The Last of Us avec Abby et son père, et qu'à la fin, enfin que ce soit l'inverse, et que ce soit Ellie qui tue, voilà. Si c'était l'inverse, on préférerait Abby. Mais on peut pas. Après, je pense qu'il va y avoir les débats, hein. Team Ellie, Team Abby. Pour l'instant, je resterai toujours Team Ellie, tu vois. Parce que voilà, le personnage est trop, trop bien. Après, à voir. Peut-être le personnage d'Abby est excellent, j'en sais rien. Je sais, je suis en train de retourner ma veste. Mais c'est ce qu'ils ont fait, Naughty Dog. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils veulent qu'on pense. Faut qu'on retourne tous notre veste à comprendre les choix des uns des autres. Et ouais, c'est bien fait, c'est très très bien fait. Bravo à eux. Non, franchement, bien, ouais. Bien, ouais, j'ai ce qu'ils font. Ce qui te tourne le personnage d'Abby comme le personnage de Ellie, c'est exactement pareil en fait. Ils auront tous les deux des choix difficiles à faire. Je sais, je suis en train de la défendre, je la déteste. Mais c'est vrai, c'est ce qu'ils ont fait. Bien, ouais. Bien wesh, c'est tout. Tu veux que je dise quoi? On en parlera fin du let's play, fin du jeu. Je ferai une vidéo en live où on discutera avec tous ceux qui ont terminé le jeu. Ça pourrait être cool. Bonjour, mademoiselle pote. Bonjour, Mali. Oh, elle aussi. Un gentleman sait tenir sa langue. Waouh. Je parle à mon père deux secondes.
D'accord. Prends-moi un truc compicante. T'auras ce que t'auras. Compicante. Donc eux, en fait, c'est des ex-lucioles, en fait. Comme les lucioles n'existent plus, voilà. Ça, c'est bon, les gars, là. On se régale, là. C'est bon, là. Il est bon, le Twitch, là. C'est bon, là. Ah, il croque un coup, là. Donne un croque, là. Bon, j'arrête mes conneries. Y'a pas un truc à gémant, s'il vous plaît. Tiens. Eh, toi, t'es mort. Tu joues à quoi? Le même? Ok. Bon, lui, en vrai, je l'aimais pas, hein, lui. Donc, c'est pas gênant. Hey, Jordan. Je t'avais pas vu. Tu viens avec nous au Cerevena? On doit aller à la base, avec Manny. Qu'est-ce que tu vas faire au Cerevena? Il faut qu'on aille évacuer l'hôtel et l'école. Prends le matos et on ramène tout le monde à la base. Sérieux? Ouais, j'arrive pas à croire qu'après tout ça, on se replie. On sait pas si c'est ça. Au moins, Léa reviendra plus vite de la station télé. C'est déjà ça, ouais. Faut que j'y aille. Que ta vie soit longue. Et que ta mort soit rapide. J'ai faim! Ah, ça va, c'est la vaisselle là, pardon. On passe beaucoup de temps avec lui. C'est toi qui l'aimes. Tu ne devrais pas t'en faire. Ouais. Allez. Est-ce qu'il y a un blême là? Un blême là? Si jamais il se passe vraiment un truc, on ira lui péter la gueule. Ouais. Bonjour. Ah. Abby. Vous allez bien? Je vais très bien. Tu voudrais pas lui demander d'enlever ça? Non, j'ai essayé. Eh, hey, ça me va bien. Te ves horrible. Bueno, faut qu'on y aille. Fais attention à lui. Pour vous? Bien sûr. Ah là 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 là. C'est vraiment bien fait ce qu'ils ont fait en fait en vrai. Y'a quoi au menu? Des burritos. Encore. Ok. Abby, qu'est-ce que tu fais? Hey, tenemos prisa, dame tres burritos. Et dis donc, tu pourrais faire la queue. Putain, Manny, ça se fait pas. Excuse-moi. Attends ton tour, comme désolé. Tout le monde. Désolé. On doit aller au front, ok? C'est hyper embarrassant. T'en prends trois? Prends-en un. T'énerve pas. Mel vient avec nous. Manny. Il est où ton sac? Dans la chambre? Pourquoi tu comment le chasse ça? C'est pas un mic. Parce que vous êtes mes amis. Oh là là. Et que j'en ai ras le cul de vos histoires. Elle est au courant que je viens, au moins? Ouais. Et elle est d'accord? Ouais. Pourquoi quand tu dis oui, j'entends non? Et peut-être parce que j'articule mal? Allez, arrête un peu d'être parano. J'ai l'impression que ça t'éclate de me mettre mal à l'aise. Non, c'est juste l'occasion de faire la paix et enfin passer à autre chose. On s'est à peine adressé la parole depuis Jackson. Je suis censé faire comme si rien ne s'était passé? Bien sûr que non. Faut juste que vous en discutiez. Elle voulait la peau de Joël tout autant que nous. Mais tu sais bien qu'elle est pas comme nous. Elle avait encore jamais fait un truc pareil. Tu parles, elle... Elle tue des scars à tour de bras. Ouais, mais pas comme on a tué Joël. Je te rappelle qu'on est des troufions, nous. Elle, elle est médecin. Fais un effort, Abby. Elle fait partie de la famille. Fais-le pour moi, d'accord? Je vais essayer. C'est tout ce que je demande. Et ouais, dans les deux cas, ça fout la merde. Donc Ellie, elle a foutu la merde aussi. Ça fout la merde partout, quoi. Ça d'être survivant. Prépare tes affaires. Cherchez Mel. Ouais. Sois gentil. Va chier. On est quoi dans un stade? Non. Je ferai ça plus tard. Non, tu fais ta vaisselle. Une
Scientifique, hein? Oh. C'est chiant parce qu'ils te la font passer pour quelqu'un de bien. Et c'est comme Ellie, hein, on te la fait passer pour quelqu'un de bien, mais voilà quoi. Et... Ah, je vais retourner ma veste, c'est horrible. Lâche. À la fin du jeu, on fera le pour et le contre. Toc toc. Alors, t'es prête? Ouais, j'arrive. Salut. Salut. Ils t'ont déclaré apte pour le service? Pour l'instant. Ils te mettront au repos, si tu demandes. Non, je préfère rester active. Et Owen est d'accord? Il devrait décider à ma place. On prendra Alice en partant. Eh. Essaye encore. Ok, donc là on est Seattle version Abby quoi. Attends, du coup, est-ce que c'est quoi un stade à Seattle? Ça c'est connu? Désolé, je connais pas. Un Seattle. Seattle, je sais pas. Enfin, bref. Attends, je vais aller voir les gens là-bas. C'est juste une patrouille de routine, t'inquiète. Et ça t'embêterait d'aller voir mon père à ton retour? Il a l'air. Je sais pas, mal en point. Comment ça? En fait, il se plaint de fortes douleurs au poignet. Salut. Il peut à peine tenir une cuillère. On peut peut-être lui donner plus d'antalgique. Ok, Kaby, on ramasse des pièces. Il paraît qu'Owen et toi, vous êtes dans la section 96. Ouais, c'est sympa. C'est plein de jeunes parents. Vous devez être impatient que le bébé arrive. Voir tous ces enfants courir partout. Ouais, je me prépare. Tous ces mioches qui braillent. Owen doit devenir dingue. Il a encore rien vu du tout. Il est en patrouille avec Danny. Danny? Aïe. Pas de bol. Ouais. Une minute, on va préparer d'autres. Elle arrive quand la prochaine pièce? En fait, ça va, ils sont bien aussi, eux. Dans leur camp. Ok. En tout cas, elle collectionne pardon, des pièces. Très bien. Ça fait stylé. Ouais. Attends, il y a bien un truc à trouver là. On te dit pas d'y aller s'il y a rien. Non? Tout ça pour rien. Bah super. Attends, si non. Ah non, que dalle. Ok, tout ça pour rien. Bah bravo. Bravo. Super. Je peux pas monter, non? C'est jamais. Allez, on va descendre. C'est bizarre, hein, n'empêche, d'être de l'autre côté. Ça fait bizarre. WLF. Allez, on continue. On emmène Alice. Elle joue à l'intérieur. Super. Abby, tu vas la chercher? S'il te plaît. Hé, hey, ma belle. Salut, grosse bête. Hé, hey, voilà ma préférée. La seule qui te supporte, ouais. Sois pas jalouse. Hé, hey, Al, tu veux voir les camions? Allez, on y va. Oh, salut, grosse. Ok, mais juste parce que t'es gentil. Monsieur qui le meilleur? Ouais. Eh ben!
Eh, donne la baballe, donne la baballe. Ah, moi je suis prêt à jouer pendant 2 heures à ça. Sion. On dirait mon chien quand je lui jette des trucs et qu'il cherche comme ça. Mais merde, il est où? Il est devant toi. Ils ont dû galérer pour l'animation du chien, en vrai. Je pense. Ah, je vais passer mon temps à faire ça. Non, mais j'arrête. Si je la jette, genre là-bas, comme un connard. Non, allez, je te la laisse. Allez, va. Tout va. C'est possible. Quel tonneur. Qu'est-ce qu'elle fait en ville? Bol. Bol. La vache, elle a trouvé le temps long là-haut. Foot. Merde. Ça a l'air de lui plaire. Abidinho. Abidinho qui a le ballon. Abidinho. Abidinho. C'est le goal. Je trouve pas que ce soit un avantage. J'aimerais bien y échapper. Et juste soigner des familles. Ça te manquerait de plus bousier, Scar. Non, je crois pas. Moi, ça me rendrait dingue. Ok. Salut Abby. Salut. Ça va bien, tranquille la vie. Ah ah. Salut Pat. Hey. Ouais, quand tu commences à faire des fresques de ton clan, c'est un peu chelou quoi. Salut Pat. Comme d'habitude. Ça marche. Gracias. Y'a quoi comme bagnole? Prenez la S24. Je conduis. Tu signes. Pendejo. Pendejo. Merci. Que ta vie soit longue. Que ta mort soit rapide. Ah, c'est gay, c'est bien. Je vais peut-être m'échauffer un peu. On va tester l'arme, hein. C'est une nouvelle arme, ça. Un petit concours. Le perdant nettoie l'appart. Mmh, on joue gros. Le meilleur sur un chargeur plein. Ok, cabron. Ouais, bah comme je suis nul à la visée, mon pote, ça va être vite réglé. Hein. Ah, pardon. La prochaine fois, je prends ce flingue. Ouais, c'est le flingue qui fait tout. Oh, d'ailleurs, il y a une tonne de vaisselle à faire. T'es pas cool. Oh, tu peux plier mon linge aussi. Mmh. Oh, tireuse d'élite. Ah, je sais, ouais. Je suis une tireuse d'élite, ouais. Bon, par contre, on va pas passer son temps à faire ça, on s'en fout. On a compris. On aille à la base. Il reste des munitions si vous voulez. C'est quoi là aussi? C'est le même. Oui, oui, c'est qui le gentil chien? Non, toi aussi tu m'as manqué. Attends, il y a des trucs là-bas. Let's go. Hey, Alice va devant. Mel est enceinte. L'air frais lui fera du bien. Comme ça, vous pouvez papoter. Suffit. Gracias.
chose à la pharmacie. Non, ça va. C'est pas grand chose. Non, j'ai juste besoin de respect. J'ai pris de la naissance. On n'entend rien! Elle arrive pas à dormir, elle lui propose des cachets, c'est juste que j'ai compris, après j'ai rien entendu. Salut, Mimi. Vous allez où? Au 2. Camion S24 au secteur 2. Salut, ça va. T'es pas mort sans rapide. Et vous avez prévu de la reconstruire? Non, Zach dit que c'est pas une priorité. On pêche pas mal de ce mont sauvage. Dire quoi pour moi, Owen? Je n'ai pas vu depuis 2 semaines. Il arrête pas de prendre des missions. Tu lui as parlé? Il t'a dit quelque chose? On se parle jamais. Enfin, je le croise au comptoir, mais on sait qu'il y a plein de monde. J'accepte. Oh la balle. Ah, les enculères. Le truc c'est qu'on a un seul et même ennemi en fait, en vrai. De base. Allez, on va sécuriser la zone. De base. Oh, une pièce. Par contre, alors je suis pressé de quand même en apprendre plus sur Abby, on est d'accord. Mais j'ai très envie de retrouver Ellie là, parce que je m'inquiète pour elle. Il y a assez de matos pour fabriquer un tuyau explosif. Compris. Marteau silencieux, c'est quoi ça? Tuyau explosif. En gros, c'est des. des paras. Je suppose. Ah, j'ai oublié ça. Non, ça va aller. T'inquiète. Ça, je prends mon pote. Ah, Bimbi sûr. Il y a plein d'endroits où se planquer là-dedans. Where is the infectus? Là-bas, ok.
Bender. Bah faites le taf de votre côté aussi. Bon, peut-être pas Mel, mais tu pourrais toi, Bender. Ok. Ah. Ça craque, mon pote. C'est bon. C'est vachement mieux que de picoler en regardant la télé. Hein? Non, rien. Je crois qu'il y a une sortie. Je crois surtout qu'il y a du stuff. Bah ouais. Y'a pas une pièce cachée là? On sait jamais hein. Ah merde. Je crois que ça allait passer mais pas du tout quoi. On va aller chercher le pied de biche. Le biche. Non mais j'ai compris que c'était là-haut, calmez-vous. Ah non, c'est une hache, je crois que c'était un pied de biche. Pourquoi elle veut pas se lever là? Chiant ta bille. Attends, vas-y, on va remonter là. Y'a trop de merde là. Quelques munitions. Parce que je t'avoue qu'on a tout niqué. Rien de cassé? Ça va, mais j'ai plus beaucoup de munitions. J'ai le droit de dire que c'est une planque de merde. Ouais. C'est une planque de merde. On va sortir d'ici. Yes. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire, elle? Est-ce qu'on augmente la santé? Non, on va attendre un peu. Bon, par contre, ouais, j'ai pris cher, j'ai plus de life.
Du coup, je sais pas si le puant je l'ai touché avec l'explosif. T'as pas de stuff, espèce de puant. Ta 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 ta. Par contre, j'ai remarqué avec Abby de l'action. Hein. Enfin, c'est tout de suite quoi. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a un truc avec elle, qu'on l'incarne, il y a de l'action quoi. Je dis pas qu'il y en a pas avec Ellie, hein. Je dis juste que c'est un autre truc quoi. C'est fait exprès en même temps, c'est sûr que c'est fait exprès. Ah. Donc on va pouvoir craft aussi. Ok. En fait là on peut faire exactement comme avec Ellie et avec Abby quoi. C'est pas juste une incarne un peu et voilà quoi. Ouais j'arrive Pender. Le truc c'est que là on repart ouais j'ai plus de stuff, j'ai plus rien en fait là. J'ai plus rien. Stylé de ouf, n'empêche. Hein. Ah, je me répète. Tiens. Mais ils ont qu'à pas faire des jeux aussi beaux. Ah ben oui. Bon, je suis sûr que je vais passer à côté d'une pièce et ça va me validera pas le trophée. Mince alors. C'est sûr qu'il y a un trophée. Manny. Je suis là. Manny. Manny, Manny, Manny. Honneur aux dames. Dans un mois, je passerai plus du tout. Vas-y, Abby. Bah, t'as dit honneur aux dames. Tu me plais bien, toi. Ça me rappelle la serre de ton père. Je vois pas pourquoi. Les plantes sont pas crevées ici. C'est pas faux. C'est stylé. Quoi, c'est peut-être une bonne chose. Vous aviez besoin de ça pour vous rapprocher. La ferme, mamie. Vous voyez, ça marche. On va regarder un petit peu s'il y a rien qui traîne là. Et du coup, Abby, elle... C'est plus en mode libellule. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à chaque fois, il y a des libellules qui tournent autour d'elle. Et quand, comme quand elle était avec son père, là, au début, il y avait plein de libellules autour d'elle. Je sais pas si vous avez remarqué. Bon, je pense que si. Mais du coup, il y a les lucioles. Elle, ce serait une libellule. Et Ellie serait un papillon avec son tatouage. Waouh! Wow. Ouais, non, mais le mec, il cherche des trucs. Hein. Ouais, ah, un babla de pièce, tiens. Ah, j'ai le gratiné, c'est horrible. Ouais. Hop là, comme un sous-neuf. Tu sais pas quoi en faire, je connais. Trophée. Peut-être plus tard. Ouais, mon pote. Bon, par contre, les scars. La dernière fois, je disais que c'était plus simple que les WLF, mais en vrai, je crois qu'ils vont être encore plus casse-couilles. Avec leurs chevaux, le fait qu'ils sifflent, qu'ils arrivent en groupe. Avec leur arc. Surtout que l'arc, il fait super mal. Donc, ouais. Par contre, dans le multi, je pense que l'arc va être beaucoup joué, surtout si tu perds de la santé. Bon, je pense pas que tu perdras de la santé dans le multi avec le. Avec le. Avec l'arc. Parce que ce serait un peu cheat du coup. Sinon, ça ferait comme style l'arbalète dans le premier. Mais bon, on va pas parler du multi, il est pas encore sorti. Mais on sait qu'il va arriver, on le sait. Mais bien sûr qu'il va sortir, les enfants, bien sûr. Quand? On sait pas. Mais il va sortir. Pas de soucis. Et là, peut-être je pourrais travailler mon shoot, quoi. Je crois qu'on a 3 quarts d'heure d'épisode, là, bientôt. Donc, prochain arrêt, on s'arrêtera, tout simplement. Tout simplement. Je peux pas monter, là? Ah, ok. Bon, déjà, c'est sûr, faut grimper quelque part. Hein. Ah. Les bombes elles font mal là du coup, mais ça c'est bien, moi on peut les jeter les bombes là. Parce que les bombes d'hélic on peut que poser, c'est un peu chiant.
Ah, y a rien là? Non, ok. Alors attends, réfléchissement. Par où est-ce qu'on passe? Là où on peut pas, faudrait qu'on passe là. Oh, bah y a une voiture, ok. J'avais même pas vu la voiture, faut le faire, hein. La base est droit devant. Pas de car en vue. Ils sont là. Ouais. Allez, on continue. C'est sûr qu'ils sont là. Bon bah écoutez, pour ce 13e épisode, je crois, quand on pouvait passer par là sans se faire attaquer par on va s'arrêter ici. Et puis on reprendra tranquillement pour défoncer du Scar avec Abby et Mel, Manny et Alice, le chien. Ouais, elle s'appelle Alice. Bref, je vous dis à la prochaine pour la suite du Let's Play sur The Last of Us Part 2. A bientôt. Allez, ciao. Peace.